La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. C'est une citation de Fred Nietzsche. Bonjour et bienvenue sur la matinale 241. Je tiens déjà d'emblée comme ça à m'excuser parce qu'on a eu de gros problèmes techniques. Là, c'est carrément la magie de je ne sais pas qui, mais en tout cas, cette fois-ci, c'est pas la MCG. Mais n'empêche, nous sommes là ce matin et je ne suis pas seule. Je suis avec, bien évidemment, le monsieur qui est toujours à la droite de la mère, pour ne pas dire du père, Romaric, bonjour. Oui, présent, toujours présent. N'est-ce pas? On a eu un peu l'impression. Un retrait ce matin. Je ne dirais pas la matinale, et on sait que si vous nous avez cherché, moi j'ai eu des notifications en inbox. Bien sûr. Des grands yeux pour me dire que, mais à quel niveau? À quel niveau? Mais c'est bon, on est là, on a pu s'arranger à quand même vous faire la matinale ce matin. Ouais, alors, à la gauche de la mère, pour ne pas dire du père, on a Hervé. Bonjour. Bonjour Prisca. Comment tu vas? Très bien, et toi? Le stress est partagé ce matin? Ah oui, franchement, ça va aller, franchement ça va aller. j'ai eu peur ce matin. Ça va aller, de toutes les façons, nous sommes en direct et comme ça, on va dire bonjour à juste Kelvin Mounanga de la Croix-Rouge qui nous suit et qui regarde, Yorick Kogé qui dit Eva, franchement, vous savez, c'est ça, c'est la vie, hein, ce sont les aléas du direct, mais nous sommes quand même là ce matin et vous avez vu sur le plateau que nous ne sommes pas cette fois-ci trois, mais nous sommes quatre avec un visage forcément que vous connaissez et c'est le visage d'un artiste gabonais qui s'appelle Nelio. Voilà, lui-même il s'appelle Nelio. Nelio, bonjour. Et bienvenue de retour au pays, on a envie de dire. Merci, c'est toujours chaleureux d'être là. Et comment ça se passe ton retour au pays? Il fait chaud? J'ai pas encore mangé les coupés. D'accord. J'ai pas encore mangé le spaghetti viande. Mais tu as déjà mangé les coupés? Les gars, ben, franchement, j'ai fait la fête. D'accord. Et t'es arrivé quand? Je suis arrivé à Bontière. Avant-hier, oh, ça va. Tu es arrivé au bon moment. Et on tient justement à préciser que Nelio nous a fait l'honneur de commencer la tournée médiatique sur Médiathèque 141. Merci Nelio pour l'honneur. Jordan, oui, et Ka, vous nous avez manqué vendredi. Oui, effectivement, on vous a manqué vendredi, mais nous sommes là lundi. C'est le plus important. Nous allons commencer, évidemment, si la régie est prête, par la citation du jour. Alors, la citation du jour, en attendant qu'elle s'affiche, donc on va commencer à proprement dit. La citation du jour dit ceci, ne vous trompez pas entre ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis et mon attitude dépend de qui vous êtes. Je reprends parce que la maîtresse sur le plateau reprend toujours, donc en espérant que mes élèves sur le plateau concentré, donc je reprends pour la citation du jour. Ne vous trompez pas entre ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis et mon attitude dépend de qui vous êtes. Hervé? Je suis vraiment d'accord avec cette citation. La personnalité, c'est vraiment qui je suis, c'est celle qui me différencie de toutes les autres personnes. D'accord. Et mon attitude, c'est quoi? C'est justement, ça dépend de qui est en face de moi. C'est-à-dire, si par exemple, tu es une personne, on va dire, aimable, je ne peux qu'être aimable avec toi. D'accord. Donc, ça dépend vraiment de qui j'ai en face de moi pour pouvoir changer mon attitude. D'accord. Bon, on a dit personnalité et... Personnalité et attitude. Donc, ma personnalité est qui je suis et mon attitude dépend de qui vous êtes. Ouais. Je ne suis pas totalement d'accord parce que je vais... Pour la personnalité, je suis d'accord. Ouais. La personnalité, c'est vraiment qui tu es. On ne peut pas faire autrement, à part peut-être les artistes. C'est bien qu'on aime les lieux. Moi, je suis impatient d'entendre son avis parce que je sais que les artistes, les acteurs, les comédiens, parfois ont à jouer des rôles et tout ça. Mais personnalité, c'est qui je suis, c'est comment je suis, comment j'ai été élevé. Ouais. Mais... je veux dire que l'autre partie ne dépend pas forcément de ceux qui sont en face. Moi, je suis de ceux qui choisissent d'être comme je suis. C'est-à-dire, même si toi, tu me renvoies, on appelle ça comme à des ondes négatives, moi, je choisis de te renvoyer des ondes positives. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je viens de dire par là que je ne suis pas la catégorie qui laisse les gens me transformer, en fait. Je n'agis pas envers les gens par rapport à la manière dont ils agissent envers moi, j'agis envers eux comme je suis. Maintenant, si eux, ils me renvoient autre chose que ce que je leur donne... Donc, par conséquent, toi, Romaric, ton attitude ne dépend pas de qui vous êtes. Non, ça ne dépend absolument pas. D'accord. Alors, Nelio, je veux reprendre la citation pour toi et vous dire ce que tu en penses. Ne vous trompez pas entre ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis et mon attitude dépend de qui vous êtes. Mon attitude, c'est Nelio.
Et ma personnalité, c'est voilà, c'est Yves à la maison, c'est voilà, c'est le père des familles, c'est en famille. Mm-hmm. Et voilà, surtout plus sur les artistes, c'est, en fait, je sais pas, peut-être que tout le monde n'est pas tous la même opinion, mais pour moi personnellement, l'attitude, personnalité, famille, attitude à l'extérieur. D'accord, ok. Moi, je vais rejoindre justement Romaric, que j'estime que je suis comme je suis pour moi. Donc, je vais rejoindre Romaric et Nelio. Nelio, sur le point de personnalité, attitude, pour moi, c'est la même chose. Mm-hmm. C'est vrai que, bon, sur la latinale, c'est autre chose. C'est le travail, on est là pour distribuer 200 fois par téléphone, de bonne humeur. Mais en fait, moi, mon attitude ne va pas dépendre de la personne que j'ai en face de moi. C'est différent. Bon, pas que ton attitude peut varier, parce que si tu as fait ça, là, il faut une situation. Des situations aussi. Ça peut varier dépendant de la personne qui est en face. Mais moi, je pense que lorsqu'on parle de personnalité, d'attitude, c'est dans le long terme. C'est-à-dire, c'est dans la constance que ça doit être. Je suis obligé d'adopter une attitude, par exemple, plus respectueuse, parce que je suis en face président de la République, je suis en face de mon pasteur, de mon père. Maintenant, moi, je veux aller dans le sens de il ne faut pas être faux. C'est ce que j'ai envie de dire. Alors, bonjour et bienvenue parce que ça faisait longtemps que je vous avais manqué. Bonjour Nelio, mon homonyme, toujours avec la cousine ou bien ça ne nous regarde plus. Ça, c'est la question. D'entrée de jeu. On est passé à autre chose quand même. Depuis le temps, on est passé à autre chose depuis le temps. Alors, parce que c'est mieux avec quelqu'un d'autre. On est d'accord. Il y aurait évoqué ma maternité et qui je suis. Mon attitude ne dépend pas de ce que j'ai en face de moi. Donc, il rejoint un peu notre avis. Et puis, voilà, on va évoluer et en attendant que vous partagez le direct, parce que si vous ne partagez pas le direct, beaucoup ne seront pas là. Nous sommes en direct malgré le retard que nous avons eu et on tient encore une fois à s'excuser. Donc merci de partager le direct dans vos différents groupes, dans vos différentes pages, en espérant que Nelio va faire la même chose. Déjà, d'accord, c'est très bien. Donc on évolue et on passe sur la date du web. Alors, les potins de la presse, bien évidemment, on commence toujours avec la nationale. Je sais que Nelio, tu as encore des souvenirs parce qu'on sait que tu es un fils du pays. Mmh. On commence toujours avec l'Union. L'Union qui coûte 500 francs CFA. Hervé ? Une pièce de 500. La facilité, hein, la facilité. Alors, 50 pièces de 10 francs. D'accord. Donc, Léo, on explique un peu vite fait. L'Union coûte 500 francs CFA. Donc, à chaque fois que je m'adresse à l'un des garçons sur le plateau, il doit me donner l'équivalent de 500. Donc, lui, il a dit 500 francs CFA, une pièce de 500. On est d'accord? Donc, 500 francs CFA. 50 pièces de 10 francs. 50 pièces de 10 francs. De 10 francs. Et 500 francs, c'est pas pour toi, ce sera 100 francs. Bah voilà, c'est bon. C'est aussi simple que ça. Donc, on va sur l'Union et la page de garde. On parle de corruption. Voilà. Avec Webcorp, donc je vais le lire rapidement. Faux et usage de faux, corruption, conflit, d'intérêt, escroquerie, le verdict de la Cour d'appel de Paris pour débouter les sociétés Webcorp et GML est sans appel. Deux partenaires qui espéraient obtenir des réparations de l'ordre de 680 milliards de francs CFA ont au contraire déboursé 50 000 euros, donc l'équivalent de 32,7 millions de francs CFA pour la mairie de Libreville de l'époque. Jean-François, tu te mets mal, le coup est rude, bien évidemment. On m'a dit. Ce que je sais, oui, c'est que nous savons. Moi, je ne sais pas si tout le monde a le même niveau d'information. Au moins, les entreprises étaient censées nous livrer un chantier qu'on attend toujours. Et ça fait pas mal parler dans la presse. Voilà. C'est ainsi, ce qu'on a surnommé encore un éléphant blanc, parce qu'on était censé avoir un nouveau marché, un nouveau marché central de Libreville, mais on ne l'a jamais vu. À un moment donné, la gare routière qu'on appelle la nationale. Oui. Était en train d'être. On a mis des barrières pour dire que là on va réaménager et tout, mais jusqu'à aujourd'hui on a toujours rien vu. Et à l'époque de ce projet qui a démarré, c'était Jean-François Coutumement qui était le maire de Libreville, de la capitale, mais ça ne s'est pas fait. Donc je me dis que c'est maintenant le moment que chacun. Tant attendu, on attend la suite de l'affaire. En deuxième titre, je vais dire fête des mères, bien évidemment, parce que hier c'était la fête des mères. Donc je tiens encore ici ma voix souhaitée à toutes les mamans une excellente fête des mères et surtout que Dieu vous bénisse éternellement, j'ai envie de dire.
Donc, opération 2, 300 kits à la maternité pour la fête des mères, Hervé. Franchement, ce sont des opérations comme ça que nous attendons. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment louable. Et les femmes aujourd'hui ont besoin vraiment de se sentir aimées, de se sentir choyées mm-hmm. à travers ce type de geste-là. Et j'espère vraiment que ça va continuer ainsi. Parce que les mamans, ce sont nos femmes chères. J'ai vu une publication, moi j'avais rebondi sur cette publication qui m'a interpellé parce que j'y ai pas pensé, mais je me dis que c'est la vérité. C'est une consoeur, mm-hmm. journaliste d'ailleurs, qui a posté ça, et elle disait la citation « J'espère que ta mère, parce que bon, elle a essayé de parler à chacun individuellement, que ta mère est au courant de ce que tu publies sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire j'espère que tu lui as déjà dit ce que tu dis publiquement. » Parce que beaucoup d'entre nous font maintenant dans le faux semblant, font maintenant dans, on va dire quoi. Ouais, mais bon, moi aussi j'ai vu cette publication et je l'ai trouvée un peu bof, parce qu'en général, c'est vrai, il y a une grande partie justement des gens qui publient sur les réseaux sociaux, mm-hmm. alors que leurs parents n'y sont pas. Moi personnellement... Pas dans le sens de leurs parents, mais dans le sens de tes parents. Tu les fais souffrir, ta mère, et c'est pas que tu l'aimes, mais tu viens de t'exposer sur les réseaux sociaux pour dire que tu l'aimes. Mais après, j'ai envie de te dire que non, c'est. Non, mais pas à ceux qui le font, pas à tout le monde. Alors, évidemment, il y a ceux-là mm-hmm. qui communiquent leur amour à leurs parents à la maison et qui font de même sur les réseaux sociaux. Mais il y a ceux-là qui s'en foutent de leurs parents en général et qui viennent s'exposer comme pour dire qu'ils aiment leur mère, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et je pense alors, hier, c'est la fête des mères. Je tiens à préciser que Nelio est marié et père d'enfant. De un enfant. Voilà, de un enfant. Donc, il y a déjà madame qui est faite des mamans. Ensuite, il y a la maman, celle qui a mis Nelio au monde. Sinon, Nelio n'existerait pas. Alors, comment ça s'est passé de ton côté, la fête des mères? Ben en gros, je peut-être un peu décevoir, mais j'étais surpris quand même parce que voilà, j'étais environ tout. Avant ça, je venais du Maroc. D'accord. Oups. Alors, en même temps, par hasard, j'ai dit à mon barbecue. Ouais. Donc on m'a fait ah mais ça fait le démerde. Oui oui. Cadeau, tout ça, mais franchement, nos mamans, c'est l'amour, c'est la base. Ouais. C'est clair. C'est la porte de la vie en fait. C'est clair. Donc voilà, on a passé du bon temps hier, c'était bien. Alors, Yomi Kogé, la fête des pères qui passe souvent dans le silence, c'est ça qui va bien avec vous. On est sur la fête des mères. On est sur la fête des mères. On est sur la fête des mères, s'il vous plaît. Lionel, tout court, mais il faudrait aussi poursuivre les liquidateurs de crédit et les ordonnateurs de fonds publics. La corruption au pays, là, avec les détournements, c'est incroyable. Exactement, l'État va faire son travail. Alors, Kini qui dit « Je suis le grand frère, à toi la force, Nelio ». Bah, merci, en tout cas. Et nous avons fini de parler de la fête des mamans, à qui on souhaitait justement à toutes les mamans qui sont connectées et qui vont nous revoir en replay, bonne fête des mamans, que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman la pasteur. Bon allez, on continue et on va sur les quotas de la presse. Sur la page de Média 241 sur Facebook, parce que malheureusement aujourd'hui on n'aura pas le direct sur YouTube et sur Twitter. Nous sommes sur Facebook et nous avons tant attendu, mais cette annonce, nous avons adresse à la nation du président de la République, Ali Bongo Ondimba, passe au Gabonais. Et j'ai juste envie de dire, couvre-toi, Benine. C'est tout ce que j'ai retenu. C'est ce que tu attendais. Ah ouais. Je disais à Nelio que tu arrives au bon moment, parce que si tu arrivais une semaine avant, après tu allais dormir à 18h. Tu allais rentrer chez toi à 18h. Donc, est-ce que tu as suivi le discours du président ou tu étais dans la bureau? Non, j'ai suivi le discours du président. D'accord. Franchement, ça m'a réjoui parce que le bar était ouvert aussi.
Les établissements nocturnes. D'accord. Donc ça commence à partir du 15 juin, si ma mémoire est bonne. Oui. Et comme ça, ils pourront ouvrir jusqu'à 20h30. Ah, ben, ouais. Moi, j'ai vu certains trucs. Ah, c'est en journée quand même. Voilà, non, c'est en journée. Mais quand même, en journée, il faut bien évidemment une présentation d'un test négatif de Covid. Parce que c'est pas tout. Ouais. Voilà, c'est pas tout de présenter un test. S'il est positif, bah, t'es malade, frère. Tu rentres chez toi. Mais il faut présenter un test négatif. Du coup, bien évidemment, tu reviens de France, oui, donc tu as fait ton test PCR. Il était négatif. Je me suis vacciné aussi. Ah, très bien, tu t'es fait vacciner. Tu as eu tes deux doses, c'est ça? Oui. D'accord, donc tu as la carte de vaccination? J'ai l'application Tous Covid. D'accord. Bon. Ah oui, lui, il va de l'autre côté, là-bas. Ok, oui. D'accord. Yuri Kogé, l'annonce de la gloire glorieuse. Je pense que ce couvre-feu, franchement, repousser l'heure de couvre-feu, c'était tant attendu, Hervé. Bien sûr. Et il faut dire que cet assouplissement des mesures de restriction, ça a vraiment été comme, un soulagement pour la population. Un ouf. Surtout ceux-là qui travaillent un peu tard, qui terminent aux heures un peu, on va dire, 16h. Mm-hmm. Et quand on termine à 16h pour trouver le taxi, ça devient chaud, donc vraiment c'était vraiment une annonce, l'annonce du siècle, j'ai envie de dire. Alors Romaric, parce que Hervé parle, mais il a envie de dire à nos chers internautes qu'il fait partie des gens qui courent ici. Rentrer à 16h effectivement un peu déçu quand même, parce que la plupart des abonnés attendaient quand même 22h, je sais pas pourquoi. Ouais, quand même, c'est vrai, 21h. On savait qu'à un moment c'était 22h, donc on s'est dit on va nous ramener à 22h, mais bon, c'est déjà ça le prix. 3h, c'est déjà bien. Chez soi, ce que je ne comprends pas, moi particulièrement, c'est que les établissements nocturnes puissent être ouverts jusqu'à 20h30 ou faire à 21h. Alors, Lionel Toucourt qui dit « Monsieur le Président a soulagé mon retour au pays. » Je lui dis « Merci beaucoup. » Bah, on dit tous « Merci au gouvernement de la République. » Franchement, ça allège un peu les activités de tout un chacun. Et j'espère que ceux qui étaient à la maison, j'ai envie de dire, en griffe condamnés, maintenant vont pouvoir se refaire une petite activité, enfin se refaire une petite santé financière, on va dire, un peu, jusqu'à ce que les choses se passent. On évolue et on va sur Gabon Media Time et on parle de connexion Internet. Le Gabon, 11e pays le plus cher en matière de Internet. Donc c'est ce qui ressort des conclusions. Ouais. Du site cable.co.uk dans son étude intitulée World Weird Mobile Data Piercing 2021. Je ne vais pas dire ça en anglais, franchement. J'ai la tête. Donc, après avoir comparé les débits et les coûts de connexion Internet dans plus de 200 pays, l'étude fait la preuve de ce que les opérateurs de télécommunications gabonais avaient des coûts élevés. Franchement, on en parle depuis une éternité. Depuis que nous avons Internet dans ce pays, on a toujours crié, cette population a toujours crié des coûts chers d'Internet. Par exemple, nous sommes sur l'ère franchement de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, nous présentons la matinale avec Nelio sur le plateau et nous sommes une web TV. Donc franchement, pour que les gens nous suivent, il faut qu'ils soient connectés sur Internet. Nelio, tu es d'accord avec nous? Tu étais au pays ou bien tu penses que ça a évolué un peu? Je pense que ça va, franchement, c'est bien, il y a de l'évolution. Et voilà, maintenant, nous qui sommes à l'extérieur, on prend plus d'informations sur vous, sur Média 241, sur la matinale et autres. Le fait que l'Internet s'est bien amélioré, c'est franchement pas mal. Il y a de l'évolution. On reste quand même sur les coûts assez élevés, Romaric. Les coûts trop élevés. Beaucoup trop. Surtout... Oui, Nelio, excuse-moi. Ah, désolé, excusez-moi. Non, vas-y. C'est un peu mal poli. Vas-y. J'avais juste un petit coup de gueule sur, le coût, parce que c'est pas tout le monde aujourd'hui. Nous-mêmes, artistes, en fait, ça nous dérange un peu. Quand on envoie des liens, aller regarder sur YouTube, il y a d'autres, tu vas regarder un clip, hop, ça tient les mégas. Ou ça... Exactement. Moi, je suis arrivé hier, j'ai mis 10 000. J'ai testé comme ça. Aujourd'hui, faux. Ça s'envoie comme ça. Ils ont été absorbés, oui. Vas-y, on va. En fait, la plupart, je te donne un petit topo comme ça. Lorsque tu mets le plan de mégas, il faut souscrire. Il y a des forfaits particuliers pour avoir 1 giga ou 2 gigas. Là, ça va mettre un peu plus de temps. Mais
dans l'absolu, c'est qu'il y est vrai. Moi, je vous donne un exemple. Pour regarder la matinale, lorsque tu n'as pas le Wi-Fi, comme ici, ou comme certains chez eux, oui. avec ceux qu'on connaît, qui distribuent ce Wi-Fi, il faut minimum 800 mégaoctets jusqu'à 1 giga. Ça dépend. Oui, ouais. Ça fait une heure. Il faut minimum 1 giga. C'est même dire. Pas le Gabonais lambda de tous les jours qui va se permettre 800 mégaoctets pour une heure d'émission, sachant que ce n'est pas notre seule émission. Il y a beaucoup d'autres programmes. Comme le disait Nélio, il partage une vidéo ou un programme, une vidéo sur YouTube, frère. Ça pèse. Ici, je ne sais pas, tout ce qu'il faut faire, que ce soit lui comme artiste, que ce soit nous qui sommes exactement. Exclusivement en ligne, on a des problèmes avec ça. Pourquoi ne pas revoir ça? Et le débit est faible. C'est-à-dire que tu payes 800 mégaoctets et parfois ça bug et tes mégaoctets ne font que s'en aller alors que ailleurs c'est beaucoup moins cher. Pourquoi? Exactement. Et moi, je voulais ajouter ceci en fait. Vous savez, aujourd'hui, moi, je me suis retrouvé sur pas mal de débats comme ça pour mes frères qui vivent sur le Gabon. Ils me disaient, mais comment on n'arrive pas à voir ça? Et le plus souvent, en fait, moi, personnellement, je fais rien. J'ai mon internet limité. Il y a des gens qui vont vraiment mettre du buzz, des vues et autres, c'est l'extérieur. Hein. Mm-hmm. Voilà, c'est vraiment l'extérieur, en fait. Si vraiment, ils nous font ce petit coup quand même d'arranger, quand même, ça va pas être. Ouais, c'est clair. Ouais. Il y a eu Kogé avec la fausse 4G qu'on nous voit là. Ah, moi, je ne sais pas. Il faut vraiment qu'ils opèrent pas. C'est le haut niveau du vol, ils exagèrent. Et puis, Prince Univers, le Gabon est très cher en matière de forfait. Yorick Kogé qui réplique en disant les coûts élevés et les allocations de la bande passante qui est déjà, je ne sais pas, on dirait la propriété d'une personne. Non, mais c'est juste exagéré. Donc, merci à tous ceux qui nous distribuent Internet. Essayez de revoir vos prix parce que vous avez vos forfaits en disant ouais, mais en fait, vous recevez 200 et quelques mégabits par seconde ou je ne sais pas trop quoi. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui ont fait ce test. Et ça s'est avéré faux, zéro. Ouais. Donc, ça s'est avéré faux, mais il y a aussi le truc où tu souscris les meilleurs. Tu as l'impression que ça passe beaucoup plus vite qu'ailleurs. C'est-à-dire, ouais. J'ai 800 mégaoctets, c'est pas rien, frère. Ouais. En une heure, si tu arrives à finir ça, pour regarder une émission en ligne, on est en 2021. C'est pas normal ailleurs, le forfait 800 mégaoctets, ça va te coûter dans les 200-300. Chez nous ici, c'est minimum 1500, 2000, ça dépend du réseau. Et comme disait Yorick Kogé, on nous parle de 4G. Mm-hmm. Moi, je suis désolé, on n'est pas vraiment à la 4G ici. Hein. Alors, Nélio, chez toi en France, est-ce que tu es encore à la 4G? Pas en 5G. Il est en 5G. Qu'est-ce que j'allais dire? Justement, je soutenais ce qu'il disait. Et moi, j'ai eu un. Petite actus quand même. Oui. Je me désabonne d'Instagram. Je bloque les données Instagram. Ouais. Je sais pas, les trucs tu n'utilises pas en fait. Oui. Tu mets sur Facebook, là au moins tu vas mettre le coup de mise en fait. Parce c'est vrai que. Téléphone aussi. C'est vrai que lorsqu'on a beaucoup d'applications ouvertes, ça tire aussi de gigaoctets. Moi je bloque tout et puis voilà. Le problème c'est que ça ne va rien leur coûter. Dans les faits, le crédit, c'est toi qui le fabriques. Dans les faits, les mégaoctets, c'est toi qui les distribues. Voilà. Ça veut dire que tu ne perds pas vraiment à réduire les coûts à la population ou à ajouter un peu le débit. En plus de réduire les coûts, il y a une activité sur Internet que je trouve malsaine et pas du tout correcte. Ça veut dire que lorsque tu recharges ton crédit, par exemple, de 5000 francs CFA, okay, et tu décides de mettre 2000 en forfait Internet, d'accord ? Dès que ce forfait, déjà, pour ton émission, tu n'as même pas eu le temps de regarder jusqu'à la fin, ils t'ont inspiré le forfait, d'accord? Tu te retrouves à 0-0. Okay? Aussi. Je sais qu'à l'étranger, pour y avoir vécu en France comme Nélio, Marseille. Marseille, on te demande la possibilité, vu que ton forfait internet est fini, est-ce qu'on peut prendre sur ton crédit de téléphone? Mais si on ne demande pas notre avis, en fait, ça veut dire que toi, si tu as chargé tes 2000 d'internet, on t'a sucé internet déjà, et ils te sucent ton crédit sans t'avertir. En fait, tu te demandes de ça, lorsque ça ne passe plus, tu te dis, est-ce qu'il y a pas un bug? Et tu vas regarder, c'est tout 0-0-0-0. C'est de l'arnaque, tout simplement. Donc, merci, c'était tout pour les potins de la presse. On va du côté d'Hervé et on va sur la doc web. Aujourd'hui, tu nous emmènes de quel côté de la planète? Alors aujourd'hui, Prisca,
Je vous emmène du côté du Cameroun. Je vais vous parler de... Mon ami, tu te dis que moi. Je vais vous parler d'une influenceuse voilà, très connue qui s'est mariée avec... qui s'appelle Coco Emilia, de son sobriquet Biscuit de mer, qui s'est mariée avec le richissime Francis Wembe. Donc, en fait, comme... C'est un frère Yakobo. D'accord. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est une influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. Et elle est née le 7 juin 1990 à Yaoundé. C'est une jet-setteuse et femme d'affaires camerounaise. Quoi ? Jet-setteuse. C'est-à-dire une femme. On aime bien inventer des questions qui nous correspondent aux nouvelles technologies. Jet-setteuse. Il faut un peu d'animation quand même. Une question comme ça, Nelio, connais-tu Coco Emilia ? Oui, elle me suit sur Instagram. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a une petite vidéo ? Oui, il y a une petite vidéo. Ok, donc on va regarder la vidéo et on se retrouve juste derrière. Ouais. Tous les invités sont là. Parents, frères et sœurs et intimes des mariés. Les amies influenceuses de Coco Emilia ont aussi fait le déplacement. Ce jour-là, les mariés ont de la chance. Le beau temps est au rendez-vous. La mariée arrive seule sur le podium et traverse le fameux portail en fer forgé style versaillais qu'elle avait demandé. Alors Hervé, j'ai trouvé magnifique. Ouais, donc en fait, elle a réuni sa famille, ses amis, les stars du showbiz ont également répondu à l'appel et le mariage était tout simplement magnifique. Il faut savoir que le coût général du mariage, le coût dans sa totalité, ça fait plus de 100 millions de francs CFA. Excusez-nous. Ouais, 100 millions de francs CFA. Déjà, son gâteau de mariage, c'était 7 étages, faisait 7 étages. D'accord. Donc, juste pour vous dire l'ampleur de la chose, c'était tout simplement magnifique. Et il faut également savoir qu'aujourd'hui, elle attend un enfant avec son mari. Voilà. Vraiment, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le mariage qui était tant attendu, qui a fait le buzz et qui a justement été filmé par une chaîne que nous connaissons tous. On a fait une grosse promo là-dessus, c'est pour dire à quel point c'est une star en griffe, on va dire. Mais aujourd'hui, elle aspire à beaucoup plus de calme, à beaucoup plus de responsabilité maintenant qu'elle est mariée et qu'elle attend un deuxième enfant. Donc, elle veut maintenant vivre sa vie paisiblement. Plus trop de jet set, aller trop en boîte, des trucs, c'est plus en délire. Ça, on n'en est pas sûr. C'est ce qu'elle a dit. Moi, j'ai suivi le reportage. C'est ce qu'elle a dit. Quand tu tapes un mariage comme ça, pour dire que bon, là je m'ai fait, bon, je m'ai pas fait, je vais me calmer un peu, me stabiliser. Oui. Moi j'ai envie de te dire, frère, arrête ça. On va bien voir, mais je pense qu'à partir du moment où vous êtes une personnalité publique, et surtout quand une jet setteuse, ça veut dire qu'elle est très influente sur les réseaux sociaux, c'est pas facile comme ça de décider de vivre une autre vie et puis parce que les gens ils en redemandent. Je n'ai pas un audio ici sur le plateau, c'est justement là où je voulais rebondir parce que nous avons cet artiste gabonais, Nelio, qui quand il s'est marié, ça aussi fait un petit buzz. C'est les internets. Mais enfin, comme ça, on a dit que Nelio. Sa femme, elle est française ou gabonais? Elle est franco. Ok, d'accord. Voilà, donc le gars est parti, oh non, machin, tout ça, j'ai vu les gens, mais bah, il s'est marié. Donc, tout ça, ça fait un buzz. Les gens, ils meurent. Parce qu'il y a des projets, peut-être la cousine, quand elle a vu ça aussi, je sais plus. Comment ça s'est passé? Toi aussi, t'as fait un forfait à 100 millions de francs CFA? Ben non, c'est plus mariage en plein Covid, donc du coup, restriction. Ah oui, restriction, exact. 5 personnes. Après, bon, nous, on s'est mis vraiment bien, comme on dit. Oui. Et on a passé une bonne soirée alors en famille, tout ça, et après je vais pas dire, voilà, je fais ça, c'est clair. Graham Carter, bonjour la team de la matinale, bon début de semaine à tous, mais vous avez commencé avec un peu de retard, ouh là là, c'est vraiment de respecter, sinon on a commencé avec beaucoup de retard aujourd'hui, ou c'est moi qui ne suis pas bien. Non, tu as raison, on a commencé avec beaucoup de retard et c'était vraiment pas de notre ressort. Lionel Toucourt, il dit simple, pas pour nous autres là. En tout cas, frère, le mariage c'est les moyens. Moi je sais pas, si tu as les moyens, tu mets les moyens. Yomi Kogé, sinon Nelio, j'ai dit, tu as mis la cousine ou. Mais il a déjà répondu, il a dit que c'est du passé, mes enfants, vous aussi. Dani Ondo, le mariage de Nelio a coûté plus cher que le mariage de Coco Emilia. Nous tous on fait ça ici. Alors là.
des attaques ce matin, en fait, ce que Nelly ne sait pas, il est humble. Voilà, c'est ça en fait. Plus sur toi que toi-même. Alors, JLD Mombo qui dit félicitations, bro, pour ton mariage. Merci. Ça fait combien de temps que tu t'es marié? Bientôt, on va dans un an quand même. Ah, bientôt un an. Donc, Lionel, tout court, moi, c'était pas facile, j'ai tout arrêté. En tout cas, grosse dédicace à la simplicité du mariage de Léo. J'ai aimé. Ah, tu dis bien que nous tous, on a vu ça sur les internets. Mais par contre, en plein mariage, en pleine soirée, je sais pas qui fait fuiter les photos. Oh, des commentaires de ouf. Des 5000 likes, des combien des... Mais tu n'es pas paralysé, hein. Et la plupart, c'est les filles, en fait. Bon, s'attaquer à ma femme comme ça, c'est... Moi j'ai dit quelque chose à Nelly, c'est des injures sur ma femme. En allant te marier à l'extérieur et tout, frère, tu as forcément laissé les cœurs ici qui espéraient. J'ai quelqu'un qui, je te raconte une anecdote, il y a quelqu'un qui a un mariage très récemment, qui a balancé les photos, qui a commencé à dire aux mariés, il commentait en disant, oh, même dans la tente en face, ou même dans ta propre tente, sous ta propre tente, il y en a qui sont en train de se mordre les doigts. Parce oui, c'est clair. Ça aurait dû être moi et tout ça, mais ça, tu peux rien y faire. Ouais. Il y en a peut-être qui sont juste jalouses et puis c'est tout. D'accord. Moi, j'ai juste envie de dire, Nelio, tu t'es mariée à l'état civil. Elle est où ta bague? Elle est bien. Ah, ça est tout, là. Aujourd'hui. Ah, non, je t'affiche. Non, mais c'est ouais, pas, non, c'est parce que vous avez trop menti. Non, vous venez au carassé, vous enlevez les bagues. Vous connaissez. Non, elle est là. Donc non, voilà, elle est là, sa bague. La partie mariage à la coutume, ça compte? Oui. Sur, je préfère pas en parler en fait pour le moment. D'accord, d'accord, ok. Mais ça compte quand même pour toi, c'est important. Oui. C'est le plus important. Justement, je suis là pour alors, comment on évolue et on va sur Sport Time. On va transpirer un peu ce matin. Nelio, comme tu l'as bien compris, les docs du web, voici le spécialiste de la doc du web, Hervé, et là on a le spécialiste de sport, de tous les sports. Il aime bien parler de foot, mais je sais qu'aujourd'hui on ne parlera pas de foot, alléluia, mais bon, merci. On parle de quoi ce matin, Marie? On parle de basket, madame, le sport de la balle orange. Alors, on parle de basket, évidemment, je vous l'ai dit, la finale devait se dérouler hier, et elle s'est déroulée hier, il y avait une... on va dire, qui suspense comme ça, de savoir si ça allait se dérouler, parce que les quarts et les demi ont un peu chevauché sur le programme les uns les autres, on se demandait si ça allait avoir lieu. Et effectivement, premier vainqueur de la Basketball African League, de la Ligue africaine de basket, organisée conjointement par la FIBA et par la NBA, oui, à son premier vainqueur, et c'est le Zamalek d'Égypte. Quand je le dis comme ça sur le plateau, je sens qu'il y a un peu, ça c'est encore quelle histoire. Le Zamalek d'Égypte, l'un des plus grands clubs, on va dire, omnisports d'Afrique, parce qu'ils ont un club de foot, ils ont un club de basket, ils ont un club de hand, je suis sûr qu'ils ont des clubs de natation, des trucs oui, comme oui, ça, c'est parce clair. Que les Africains du nord du continent sont très structuré, et ça ne m'étonne pas que ce soit l'un de leurs pays qui ait remporté. On aurait pu avoir le Petro de Luanda, mais le Petro n'a pris que la troisième place. Alors, Zamalek a vaincu US Monastir, qui est aussi un club d'un pays du nord de l'Afrique, de Tunisie, sur le score de 76 à 63. Donc, tous les deux étaient vaincus jusqu'à la finale, chacun 5 matchs remportés. Et donc, un match perdu pour le Monastir, ce sera la finale. Mm-hmm. Meilleur joueur, MVP, un joueur de Zamalek, évidemment, mais qui est d'origine... sud-américaine, Wallace Hodge, meilleur défenseur, un gars des Zamalek également, Onas Osana, et un prix du fair play a été décerné pour cette première édition. Comme je l'ai dit, Petro de Luanda, un autre grand club de mastodonte. Ah, j'entends Luanda. Non, Luanda. Okay, c'est pas encore arrivé là-bas. C'est pas étonnant parce que ce sont les cadors en Afrique en matière de basketball. Le Petro de Luanda, ils sont venus disputer des matchs très serrés ici, très corsés avec notre capot de l'époque, les anges ABC de l'époque qui rivalisaient un peu, mais là ça va devenir compliqué. A gagné la troisième place en battant 97-68 les Patriotes du Rwanda, ceux qui jouaient à domicile, qui ont fait une bonne compétition, mais quand tu arrives face à ces costauds là, à un moment tu t'arrêtes. J'aimerais dire quelque chose à tous ceux qui m'ont écrit sur ma page, j'ai eu beaucoup de réactions parce que j'ai diffusé les informations en direct et qui me disaient oui mais il n'y a pas un club gabonais, j'ai dit non frère, arrêtons le désordre. Un club gabonais n'aurait pas pu se présenter là. Je ne sais pas si un gabonais peut me citer un club gabonais de basket qui fonctionne normalement ces temps-ci. Exact. Il n'y en a pas. On est en train de restructurer le basket avec la nouvelle fédération. Laissons le temps au temps. Voilà, le temps au temps. Je ne suis même pas sûr qu'un club gabonais pourra se qualifier pour la prochaine année ou l'année d'après. Peut-être dans deux
trois ans. D'accord. Parce que déjà, j'ai des informations sur la Fédé qui a mis en place la ligue de la Nyanga de basketball. Ils sont en train de mettre en place les ligues. Il y aura un championnat. Le vainqueur du championnat va participer à un autre tournoi qualificatif pour aller à la basketball ligue, basketball African League. C'est très bien organisé. Si vous voyez la photo en direct, vous pouvez voir. On a l'impression d'être à NBA. Et c'est ouais. ça dont un Africain rêve, c'est de dire je peux jouer ici en Afrique, mm-hmm. sur le continent, avoir des parquets de qualité, des anneaux de qualité, un trophée de qualité et des images comme si je suis en NBA en étant chez moi en Afrique. Et bravo aux Amalek pour la première édition remportée. Bah, bravo à eux et merci à toi Romary pour toutes ces magnifiques informations sur le sport de la balle orange. Tu en as pratiqué déjà, le basket? Non. Tu es plutôt foot? Foot, ouais. Foot? Est-ce que tu es plutôt foot, genre je joue au foot, je joue quand même un peu bien, ou bien tu es plutôt foot parce que tu regardes le Bameyan et puis je suis dans le fauteuil? Je disais que tu allais jouer à FIFA, j'ai joué au quartier. D'accord. Après, bon, je suis FIFA. Voilà, c'est ça, on connaît ça. Après, je regarde la Coupe d'Afrique, Coupe d'Europe, tout ça. D'accord. Ok, ça marche. Donc, Graham Carter qui dit félicitations à des lions, un célibataire en moins. D'accord. Ok, donc il vous laisse un peu de place. Apparemment, vous ne voulez pas aller dans ce sens-là, parce qu'ils sont deux sur le plateau, des deux bagués, là, Romaric et Nelio. On continue, Yorick Nkogé qui dit Ngong Soldier, les grands vont arriver. Ça, oui, ils vont arriver un jour. Là, d'abord, on va arriver un jour. Donc, on va faire une petite pause musicale. Alors là, on va ramener loin. C'est pas pour ça que Nelio rigole, mais bon, on va ramener loin dans le souvenir. Je ne sais pas si vous avez suivi depuis le matin, on pose des questions sur une cousine. Je ne sais pas si c'est la cousine des Nelio, c'est la cousine des Hervé. En tout cas, cousine. Mettez seulement le clip. Première fois ma bouche, j'ai craqué comme un gros fou. Qui peut donc s'habiller des courses, c'était d'amour trop ouf. Innocent, je suis resté en chien quand tout était découvert. T'étais la cédo qui me kiffait à chaque fois que j'avais des blèmes. J'ai passé huit ce moment qu'on a passé ensemble. J'suis pas plus caché mon bébé, tu manques énormément. Oh c'est l'enfer. J'ai pété ma cousine, qu'est-ce qu'il faut faire? Là je suis dans des pitres. C'est une malédiction, oh non. 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 Passé. J'ai oublié de vous relater à ce qui s'est réellement passé. On s'est connu, Alex. Alors, dès qu'on a balancé le clip, c'était encore quoi le titre? Ma meuf et ma cousine. Ma meuf et ma cousine. Donc, vous attendiez le clip pour balancer les cœurs. Mais vous êtes des mauvais, hein, en fait. Vous êtes ingrats. Donc, depuis qu'on parle là, on a parlé, il n'y a pas. Mettez les cœurs, comme dit quelqu'un. En tout cas, Rosita qui dit la tuerie des tueries, donc le clip Ma meuf et ma cousine. Lionel tout court, il nous a donné l'espoir de tomber dans l'eau de nos cousines, mais les parents ont voulu nous maudire. En tout cas, Yoriko, mais comment ça se passe? Dodi qui dit les clubs aussi sont confinés au Gabon. On n'est plus là-bas, frangin. On a dit que le Gabon n'a pas joué là-bas, c'est tout. Donc, Nelio, le clip Ma meuf et ma cousine, est-ce que c'est la chanson qui te révèle vraiment? C'est la chanson qui me met en haut, comme on dit. Voilà, ok. À la base, en fait, c'est une chanson qui était bookée data artistique Lionel de NMT, mm-hmm. qui m'avait prêté de la musique. Bon, pas prêté, qu'est-ce que je raconte? Qui m'avait donné la musique. Mm-hmm. Voilà, donc. C'était un morceau à NMT. Elle était déjà Changé. C'était un morceau à NMT de Changé. D'accord. Et Lionel m'a dit, vas-y, nous, on n'aime pas trop la musique. On te file la musique. On te file la musique. Ok. Mais ils font la version de Changé sur sa musique. D'accord. Et.
Je vais pas vous montrer que j'ai vécu la vie, l'histoire était. Elle était pas un peu. Justement. C'est une histoire. Justement, ma question, c'était ça. C'était une cousine, comment on dit souvent, quand c'est cousine éloignée. Ouais, c'était une cousine éloignée par alliance du côté de ma tante, en fait. D'accord. Et okay. Je me suis dit, bon, pourquoi pas parler de ça? D'accord. Parce qu'on parle aussi loin que dans la vidéo. En tout cas. Donc, ce que j'ai oublié de faire, malheureusement, vu que là, aujourd'hui, on a commencé vraiment comme on peut, on fait ce qu'on appelle la carte d'identité. Parce qu'il y en a qui me rappellent. Il y a des premiers de la classe qui savent. Hein. Donc, la carte d'identité, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions et tu réponds sans mentir, s'il te plaît. Pardon. De toutes les façons, tu ne peux pas mentir. Tout le monde sait que tu as la bague. Donc, voilà. Donc, nom et prénom à l'état civil. Dzengi Yves. Wilfried, c'est ça? Ouais. Voilà, j'ai la doc. Donc, si tu mens, je vais donner ta doc. Date et lieu de naissance. Le 22 mai 1992. Allez, 92. Oui. Eh bien, mm-hmm. C'est la même génération, non? Oui, oui. Voilà. Okay. Je vois très bien. Voilà, t'as vu, non? D'accord, parce que pour toi, là... C'est pas possible. On y a les mains. En tout cas, donc on était à date de lieu de naissance. Oui. Ensuite, on était à profession. Artiste. Bien évidemment. Ça... Si tu as... Artiste chanteur. Artiste chanteur, voilà. Oui. Et bon, artiste chanteur. Ok. Alors, situation matrimoniale. Marié. Avec combien d'enfants? Père de un enfant et j'ai des filles de cœur. D'accord. Ok. Très bien. Ensuite. Nom des parents. Nom et prénom de tes parents. Sonny Hollande. Mon père, j'ai jamais connu, donc. D'accord. Je ne pas en parler. Okay. Ok, très bien. De toutes les façons, tu nous as donné. Et j'ai mon père du cœur qui s'appelle Serge François. D'accord. De toutes les façons, tu nous as donné toutes les informations qu'on attendait, parce que comme je te disais, il y en a qui m'ont déjà harcelé. Oui, mais la carte d'identité, ah. Donc tu t'appelles. Donc ton prénom, c'est Yves. C'est Yves. Ton nom, c'est. Dzengi. Dzengi, oh non. Un méchant poulon. Hein. Mais sans pas, Dzengi, ok. Et Nelly, on sort d'où comme ça? C'est pas un mix. Nelly aussi, c'est un mix de ma mère. Voilà, vu que ma mère s'appelle Yolande. Mais d'accord. En gros, quand j'étais à EPI, j'ai fait la première, non, j'ai fait quoi? Cinquième jusqu'en première à EPI. Quel est le thème ou... Zen Zayon, oui. Ah, je veux te retrouver. Il est arrivé Zen, c'est pour ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Continue, Nelly. Là-bas, en fait, c'était plus... J'aimais bien le ton Nio sortait tes soucis. C'est la fin. Je connais pas. J'aimais bien écouter les sons des Nio. Et là, ils m'ont son ami Nelly. Voilà. Ah, d'accord. C'est de là. Il y a beaucoup de choses là-bas. Je me disais, il y a une artiste. Ouais, Nio. Voilà, ouais, c'est ouais, la ouais. Même chose pratiquement. Alors, le net au cours qui dit, est-ce que tu as eu plus de succès avec un autre son que celui-ci? Oui, oublié en France. D'accord, c'est oublié juste. En France, mais oublié en France, pour moi, c'est un peu trop loin. Il y a un prochain... Ah non, ici oui. Oui. Moi, j'ai enchaîné avec, il y a elle aussi. Elle, ouais, bah oui, bien évidemment. Pour moi, elle, c'est l'un de mes titres, franchement... Je croyais que j'allais pleurer un titre comme ça, mais elle, donc, c'est une tuerie. Pour ceux qui ne connaissent pas le titre Elle, je vais vous permettre d'écouter un petit bout de la musique et on revient derrière avec Nelio. Fais l'erreur alors que mon cœur est déjà engagé ailleurs. Très franchement, j'ai déconné. Je voulais pas que ça finisse comme ça, envoûté par son argent. Oh nanana, je suis dans les blèmes. Et puis une rue d'assaut, une vraie. Mais moi je n'ai pas d'amour. Elle est prête à tout m'offrir. Oh nanana, je regrette ma lady. Oh nanana, je regrette ma lady. Oh, elle veut une relation, une vraie. Mais moi je n'ai pas d'amour. Elle est prête à tout m'offrir. Oh nanana, je regrette ma lady. Oh nanana, je regrette ma lady. Elle m'a dit qu'elle veut vivre auprès de moi. Qu'elle n'a plus de sentiments. Alors là, en fait, quand je vois les cœurs comme ça, je ne peux pas m'empêcher de te demander de lui refaire moi le petit bout du refrain. Là. Petit bout. Là, je le fais maintenant. Ouais, vas-y, on écoute. La voix. Non, ça va. On elle va veut une relation, une vraie. Mais moi, je n'ai pas d'amour. Elle est prête à tout m'offrir. Oh non, je regrette ma lady.
Ah nanana, je regrette ma Prisca. Ah mais, à la voix encore arrangée un peu avec la neige, tout ça. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils chantent comme on entend à la télé. Ouais. Exactement. Donc il n'y a pas eu beaucoup de talk show dans tes sons. Sans préparation, comme ça, il arrive à nous sortir ça. Je vais vous dire que c'est difficile. Uh-huh. Je chante un peu, c'est difficile sans s'échauffer. T'es vraiment un artiste chanteur. Par contre, moi, je chante en aigu et il y a des moments où on va mettre légèrement l'autotune, mais moi aujourd'hui, en fait, j'ai mes gars qui m'ont dit on arrête avec ça parce qu'en gros, tu chantes déjà en aigu, donc ça vaut la peine l'autotune. En fait. Ouais. D'accord. Est-ce que elle, c'était la suite de logique de Mame fait ma cuisine Elle, en fait, j'avais une meuf dans le quartier en Zion chez les soeurs. En fait, toi, tu as beaucoup de problèmes avec les gars. Heureusement, tu t'es mariée. Hein. C'est l'autre Simila du bled quand même. Donc oui, on t'écoute. Du coup, l'histoire de elle, en fait, j'ai une meuf, je vais taire le nom, je vais pas dire. Oui. Quartier, qui me pressait bien, mais je lui ai dit, franchement, je t'équipe grave, mon mec, il est pas là, viens à la maison. Oh, sérieuse, autant pour moi, excusez-moi. Mais c'était un peu ça, quoi. Mais viens, mais le gars au quartier, en fait, elle avait tout. Jolie nana, bien, belle, ça manque de rien, tout se passe bien dans sa vie. Mais le risque, là, franchement, quoi, c'est le gars d'arriver. En fait, et tu le connaissais en plus. Ben ouais. Donc elle tu es prête à tout m'offrir, tout, mais voilà. Tu n'as pas pris le risque. Ah non. Par contre, j'ai une question justement que je voulais te poser. C'est, attends que je te la lise bien comme je l'ai écrite, parce que je pensais à ça. On a toujours l'impression que quelqu'un qui fait dans ton style musical, je pense que tu fais R&B, tu fais un peu de soul aussi quand Afro même. Pop. Ouais, Afro-pop, ça attire, ça parle beaucoup de femmes, ça attire beaucoup les femmes aiment beaucoup. Est-ce que l'impression que nous on a, c'est-à-dire, le gars c'est un tombeur, est-ce que c'est ce qui t'arrive, c'est-à-dire, les femmes sont naturellement attirées par toi, est-ce que c'est un problème au quotidien pour un artiste comme toi? Ah là, c'est avec ma femme qu'il faut... Non, je veux dire, en matière de groupie et tout ça, est-ce que tu te fais beaucoup harceler dans ce sens-là? Oui. J'aime pas trop en parler ce... pour pas vexer en fait la jeune féminine en fait. Donc, mais c'est ce qui arrive. On a par exemple le Singila dont il a parlé. Ouais. On peut dire que tu es un peu un Singila. Un gros des cœurs en fait. Et en gros, il y a des femmes comme ça parfois qui me voient et voient, oui, le mec c'est un bordel. Le mec il parle que des sales, il parle que des machins. Ouais, exactement. Donc, mais est-ce que toutes les histoires que tu chantes, est-ce que ce sont toutes des histoires vécues par Nelio ou ce sont des histoires aussi vécues par des frangins? Comme Asko par exemple, peut-être qu'il a une histoire à chanter. J'ai une histoire qui va venir quand même, je suis sûr. Un manager très amoureux qui... N'est-ce pas? Non, mais la plupart, en allant vers ma meuf, ma cousine, elle, c'est des histoires vécues. Mm-hmm. Parfois, c'est des proches aussi. Ça peut être, voilà, j'ai un petit problème et puis voilà, j'ai... Alors, depuis que t'es installé, on va dire, à l'étranger, quels sont les rapports que tu as gardés avec les autres artistes gabonais? On communique bien, il y a pas mal, la majorité quand même, hein, franchement. Presque là, ça parle bien. Lexical Flow, Lacho, ils sont nombreux quand même. On a des bons rapports, on discute ensemble, on communique. Et moi, je pose des questions, les gars, comment ça se passe là-bas? C'est quoi les nouveaux bails? On fait comment? Et là, en gros, j'ai appelé Lexical, qui me disait, hier, il me disait, Joe, là, je t'apprends les nouveaux mots. Comme ça, en gros, remettre un peu voilà, le jargon gabonais, tout ça, et puis. Ouais. Alors Rosita Agaya qui dit le son qui a fait danser toute la jeunesse, même les papas et les mamans. Yoru Kogé qui dit sans autotune, tu es fort mon frère. Merci. Alors Nelio, tu nous amuses beaucoup aujourd'hui. Ensuite Nelio tout court, Lionel tout court, manger la neige avec les feuilles de manioc, ça arrange le vocal. C'est parce que nous ne pouvons pas faire des notes vocales, sinon vous deviez un peu écouter nos voix aussi. Très bien. Kyriel qui dit Asko a la même histoire. On dirait Gasco, la même histoire. Y avait une question pour Nelio? Pas spécialement, mais je voulais quand même savoir, est-ce qu'aujourd'hui tu as une actualité à nous partager? Oui, j'ai pas mal là en ce moment, on va faire la sortie de mon freestyle qui va sortir bientôt. D'accord. Il y a le nouveau clip aussi qui arrive aussi. Il y a K.O., je sais pas si vous avez dit. Pas encore. Oui. Sur YouTube, donc j'invite à la regarder. Ok. Oui, bourrée d'actualité quand même. D'accord. Alors, on a un clip qui a été calé, justement. On va regarder. Le titre, c'est Oublié. Donc, tu nous diras, après avoir regardé le clip, toi, tes histoires sont vraiment difficiles. On regarde le clip, on se retrouve derrière. Comme si tu m'avais jeté un sort. Comme si tu m'avais jeté un sort.
sur ce clip, on voit clairement que tu n'as pas tourné ça dans les rues de Nzayon. Ça se voit, en fait. C'est assez clair. Donc, c'est justement le clip dont tu disais en off qui a donné à Paname, c'est ça? Oui, oui. À la base, je suis plus sur la Gironde de Bordeaux. D'accord. Paname, c'est voilà, activité. Mm-hmm. J'aime pas trop. Paname, franchement, c'est stressant. Le clip, en fait, c'est un clip qui m'a vraiment donné de la visibilité sur pas mal de radios. Plus okay. précisé sur Bordeaux, parce qu'il y a Enjoy 33 qui m'a localisé. Le son, il est passé en boucle. Après, voilà, ils sont partis, ils ont fait la diffusion sur d'autres radios. Ouais. Et un jour, comme ça, je suis étonné. Les gars m'envoient un mail, par mon manager, bien sûr. Voilà, on veut une interview avec Kebla et Kenaza sur scène pour faire la première. Okay. Et moi, je me dis, bon, voilà, ça va, je vais me faire découvrir. Et quand je monte sur scène, c'est écrit. Je pense que vous allez retrouver les images sur mon Instagram. D'accord. Et tout le monde, toute la journée attend le morceau. Mais voilà, c'est le son en fait qui m'a vraiment donné de la visibilité que les Français aiment bien. D'accord. Donc en fait, ma main fait ma cousine. Ensuite, oh, elle. Ensuite, oublier. Donc en fait, toi, tu as fini les Damienda et tu veux les oublier. Je comprends pas en fait. Oublier en fait, c'est un morceau qui parle de guerre de religion. D'accord. C'est un chrétien qui veut se mettre avec une Aoussa ou musulmane, je sais pas. D'accord, voilà. Ok. Et voilà, la problème, les chrétiens, c'est pas nous. Et la fille va imposer au mec de se convertir en fait à l'islam. Donc moi, je suis chrétien, je connais une famille chrétienne. C'est pas possible. Ouais, c'est clairement pas possible. Alors, Dodi qui dit, Neyo, si tu ne veux pas d'elle, mon frère, envoie-moi son numéro, je vais m'enjoy. Lol. On t'envoie ça tout à l'heure. Alors, selon Stamo qui dit, on voit bien comment tout bouge au niveau de la musique dans plusieurs pays d'Afrique. Faut-il, selon Neyo, pour décoller l'industrie musicale au pays? À ton avis, qu'est-ce qui manque ici au pays pour que ça mousse bien? Je pense qu'en gros, il faut une bonne solidarité d'abord. Voilà. Faut dire qu'on arrête d'abord de consommer trop international, on doit consommer local. Ouais, c'est vrai. Une fois qu'on sera avec nous, je vous jure que sans argent ou sans grands efforts, les choses vont mieux se passer. Donc, soyons solidaires. Cette question-là. Consommer et compte. Parce que moi, en gros, je ne vais pas vous mentir, je suis arrivé au Cameroun, c'est musique camerounaise. J'arrive au Maroc, c'est d'abord des Marocains. D'accord. Il y a des pays comme ça, j'étais où, en Tunisie, musique tunisienne, tout ça. Consommons d'abord local et puis voilà, ça va. Ouais, ça c'est vrai. C'est une bonne voie quand même parce que le Gabon, il y a quelques années, par rapport au Gabon, maintenant, on consommait beaucoup Beyoncé, on consommait beaucoup Jay-Z, on consommait beaucoup. On a l'impression la musique est changée. Oui. Ouais, on a l'impression depuis un moment qu'ils ont disparu. Maintenant, eux, ils continuent en actualité, mais les Gabonais se retournent quand même. On va dire quand même, je vais rejoindre les lieux pour dire ce serait bien que ce soit d'abord prioritaire. Voilà. C'est-à-dire, quand on regarde la playlist du téléphone de quelqu'un, on se dit artiste Gabonais, américain, Gabonais, nigérien. Comme les autres le font en fait. Chez les autres, c'est des bases qu'il faut établir. Je suis nigérian, c'est d'abord le Nigeria. C'est pour ça que bien évidemment sur Média 241, vous l'avez remarqué, 241 c'est l'indicatif du Gabon. Nous sommes la première chaîne web fièrement gabonaise et bien évidemment on reçoit d'abord des artistes gabonais. Et aujourd'hui, vous avez Neyo tout court. Oui, Neyo. Voilà, je voulais juste ajouter ceci, c'est que vous allez voir en France en gros. Je veux pas être sur un côté racial et autres, mais c'est d'abord la musique française qui est diffusée. Ah, voilà, c'est clair, tu as vécu dans Marseille. C'est clair, d'abord. C'est la musique française d'abord. Et après, voilà, on peut basculer. Après, s'il faut depuis d'autres artistes, c'est des musiques afro, mais la base d'abord, elle est musique française. Donc il y a des variétés, c'est typiquement français. Et quand tu arrives. La base, même quand tu arrives en France, c'est quoi? C'est le fromage, c'est le vin. Et la Marseillaise, tu connais? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on te montre d'abord les bases du pays d'abord. Alors, la question qui tue, parce que les artistes n'y échappent jamais, c'est même pas une question, je vais juste dire, donner une suite de mots et tu vas réagir. Les droits d'auteur. Je ne pose même pas la question. Les droits d'auteur. À quel niveau? Non, il comprend la question. Après, moi, je ne peux pas répondre parce que je ne vis plus ici il y a longtemps. D'accord. Donc, moi, est-ce que tu as les droits d'auteur? Oui, je suis. Es-tu enregistré à l'Assassin? J'ai vu, j'allais revenir, tu as répondu. Voilà, bien évidemment. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en gros, pendant cette période de Covid, en fait, ce qui est bien avec les droits d'auteur, c'est que sans cachet, sans chambre, tu peux te faire rémunérer par tes vues, en fait. D'accord. Alors, ce qui est déjà bien, il y a Assassin qui te met de l'argent de côté et nous, on travaille avec ça. D'accord. Et je pense que Dynasty aussi est signé sur SACEM et Universal Music. Donc là, il n'y a pas de problème sur eux au Gabon. D'accord. Donc, du coup, justement, je voulais en venir parce que lorsque tu as commencé ta carrière musicale, tu étais solo.
Là, c'est juste commencé à travailler avec une maison de production à Bordeaux. D'accord, ok. Voilà, qui est des frères à moi, Big up à vous. Et après, je voulais me lancer en fait solo. Et on se vit avec, il y a Aminem et la tue qui montait sur Paname. On a fait une tournée ensemble. Il m'a dit, mais pourquoi pas tu bosses avec nous, comme ça nous on va s'occuper de tes bails au Gabon en fait. Dis-moi, moi je prends des lieux au Gabon. Je lui ai dit, mais pourquoi pas frère? Parce que Aminem et moi c'est plus la déconne. Là moi je dis, mais tu es sérieux, enfin, tu vas t'occuper de moi comment? Comment tu vas me produire en fait? Mais après, j'ai vu de l'évolution sur son travail. Il m'a présenté à Asco, qui est le manager général de Dynasty. J'ai vu que les gars ils travaillaient bien, tout ça, Peggy, toute la paparasse. J'ai dit, ouais, je fais confiance. Et franchement, aujourd'hui, je ne regrette pas parce que Dynasty, c'est un gros label qui monte en puissance, qui est signé à Universal Music. Beaucoup de travail. C'est du bon travail. Justement, Dynasty, je regarde la caméra qui est en face de moi, mais je sais que quelque part, là, dans les studios de Média 241, il y a quelqu'un qui s'appelle Asco qui m'entend très bien. Ici, là, sur ce plateau, Aminem, Latchou. Je les attends. Je n'ai plus rien à dire là-dessus. On continue. JLD Mombo qui dit, tu es le meilleur, tu représentes le vert jaune bleu en France. Félicitations. Merci. Voilà. Dani Ondo, Nelio, fais-nous un petit top 5 des meilleurs artistes R&B du Gabon selon toi. Selon moi. Voilà. Okay. On y va. J'aime bien Jira Spetny. D'accord. Tout à l'heure, je parlais avec. On parle beaucoup d'Asco. C'est même pas son émission. Il est sérieux, mais c'est. Non, mais c'est abusé, quoi. D'accord. Il lui fait une petite promo. Tout à l'heure, je parlais avec le manager des Dynasty. D'accord. Il me dit, bon, là où t'es là, tu veux collaborer avec qui? Je dis, j'aime bien ce que Jay Respect Me fait. D'accord. Jay Respect Me. Jay Respect Me. J'écoute de Lexical aussi. Lexical Flow. Vu que c'est. Bah, après lui, c'est un super villageois. C'est un. D'accord. J'écoute. Ensuite. Il y a qui encore sur. Ouais, c'est... je sais pas après à qui. Oui, il y a Darcy aussi qui est pas mal. Darcy, effectivement, Darcy, ça fait trois. Il en reste deux, ne nous fais pas la poisse. Mais il y a CEO aussi qui est important. D'accord. Il y a Lionel LMT aussi. Qui ah, ok, Lionel LMT, d'accord. Ça voilà. Va, tu as rempli tes cinq cases. Oui, Romaric. Hey, excusez-moi. Les problèmes. Tu as oublié qui? Lacho. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est pour ça que j'ai dit compte bien. On est à quoi? Exprès. Non, c'est trop tard. Lacho. Son frère dans le game. Il t'a oublié. Le signe dans le même label. Il t'a oublié. Junior, Dynasty. Aïe, les problèmes. Non, mais c'est clair. En fait, Dynasty, on les compte plus. Sinon, après, voilà. C'est ça, la famille. On va se battre du fait que ça, c'est chez nous. Voilà, donc ça, on compte plus. J'ai pardonné, mais Lacho, quand même, il t'a oublié. Je répète. Oui, on va. Il y a quelqu'un qui m'a devancé pour poser aussi la question. Merlin, oui. La Warken. Je vais poser la même question que toi, frère. J'avais ça à l'esprit. Comment tu te dis, je vais devenir artiste? Comment on part de, je suis un élève de d'Ebi Denzin, et puis moi, ce que je veux faire, c'est chanter. Je chante bien, il y a beaucoup de gens qui chantent bien. Bien, oui. Je connais quelques gars qui rappent à gauche, à droite. Comment on se dit, dans un pays où il n'y a pas de droit d'auteur et tout ça, moi, ce que je veux faire, c'est de la musique. Et je m'y mets. Est-ce que c'est du genre, tu t'es retrouvé, t'as envie de te poser sur un son et puis tu t'es dit, j'aime ça? Ou depuis l'enfance, tu t'es dit, moi, je sais chanter, je veux. Merci, ça fait plaisir cette question. En gros, je me rappelle à l'époque, moi, je suis un vieux de la vieille quand même. À l'époque, on avait les Quora. Et oui, c'était, si je me trompe, Eben qui était représenté en fait en Afrique. Yes. Avec le Black. Ma mère était là en fait, on est assis, on attend la remise Koba Gan, je pense bien. Et ma mère dit, hé mon fils, faut nous aussi faire la musique comme ça. Et je l'ai regardé. Je suis comme ça, c'est quoi sa réaction? Et je me suis dit, pourquoi? Je commence à rapper, ouais, des faux trucs, des rap et tout machin. Et ce qui m'a vraiment lancé dans la musique, j'étais jaloux des Chris Brown. Non mais le mec au lycée, il y avait que lui, son premier clip, tout. Oh Chris Brown, Breezy. Et je rêvais de faire tomber, je commençais à danser, faire les trucs et tout machin. Ouais mais c'est pas mal ça, c'est bien. Et c'est comme ça que je passe en fait. Ouais parce qu'on voit que dans le titre oublié, tu as quand même deux papiers. Des petits décalages de Chris Brown quand même. Dans ce cas, c'est quelque chose que je dis, arrêtons ça. De la même manière qu'on dit, mettons en valeur ce qui est de chez nous, de la même manière, évitons de manifester de la jalousie. On va te dire, non, par exemple, si tu parles anglais, on va te dire, ah, c'est au pitching. Si il fait comme le Valia, il copie Chris Bond. Il faut bien copier quelqu'un pour bien sûr, quelque part. Bien sûr, s'inspirer de une personne. Cet esprit de toujours vouloir dire, non, mais il copie tel. Personne n'est ex nihilo, comment dire, Bien sûr. Il y a toujours une inspiration de quelque part. Et tu te fais aujourd'hui, c'est Nelio qu'on connaît, on ne connaît pas Chris Bond, on a notre Nelio ici au Gabon, et puis c'est une bonne chose en fait. D'accord, alors JDL Mombo, tout le mal qu'il te souhaite, c'est de faire un feat avec Dadju. Pourquoi pas?
Après, ça tombe bien en fait. Moi, je vais être véridique sur le plateau, c'est la matinale. Ouais, voilà. Ouais. Donc, je vais vous expliquer un truc. Aujourd'hui, vous avez pas mal d'artistes gabonais qui vivent en France en fait. Et la France, c'est pas comme on va se dire, on arrive, on va appeler Dadjo, on va appeler tel, tel. C'est clair. Les c'est mecs, clair. Voilà, tu connais ce que je. Les bien mecs qui vont t'appeler, ils te disent, bon, moi, j'ai besoin de 5000 euros. Parce D'accord. que, bon, tu es Lyon, qu'est-ce que je gagne avec toi? Le gars, c'est clair. Moi, c'est clair. Moi, je vends mes disques en Suisse, en machin, tout ça. Ouais. Donc, c'est du business en fait. Donc là, il faut appeler l'équipe de Dynasty Universal Music, envoyer les 5000 euros à l'équipe de Dadju, attendre que Dadju ait un petit temps parce qu'il n'est jamais en France, tous sont pas en France. Hein. Voilà. Ils vivent au Maroc, ils vivent machin, ça prend un peu de temps, mais on est dessus. On est en train de gérer, il y a des bails, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Mais pour vous donner l'exclu, déjà, il y a un bon featuring avec un bon artiste africain qui arrive, c'est Mary. D'accord. Nélo Fit Mary, ça arrive. Ouais. Donc, un artiste africain international, je suppose. Oui, donc, justement, parce qu'il y avait la question, Kevin Laroche, qui disait, Lélio, est-ce que tu n'as pas de collaboration en vue avec un artiste international? Donc, pour le moment, du coup, après, on a. Vous savez que moi, je vais revenir sur la France. Il y a Hiro qui m'avait invité sur sa tournée. Waouh! Mais on a eu la pandémie, tout ça. Oui, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. On attend le bon déconfinement et on va relancer pas mal. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Nélio est arrivé parce qu'il avait besoin de voir sa famille ou il est arrivé pour travailler sur des projets à venir? À la base, d'abord, je ne sais plus, c'est famille. Et ma famille, c'est ici au Gabon. Voilà, c'est vous. Donc, tu es venu nous voir, tout ça. Mais n'empêche. Mais après, on m'a dit. Je suis venu vous voir, bah après je suis avec maman, je suis le sein de bébé. Il est venu se ressourcer. Voilà, c'est ça, c'est clair. Et là, je commence vraiment Nélio sur la matinale. Donc. D'accord, voilà. Tranquille, et il a commencé sur le vidéo de 141. On vous dit que c'est nous qui digons ici, vous ne voulez pas comprendre. Oui, vous parlez que tu avais encore une autre question d'un internaute, JLD Mombo. Tu te demandes où tu as appris à danser, parce que c'est vrai que à l'époque où tu commences à te faire voir, il y a beaucoup de groupes de danse un peu partout. Est-ce que tu as appris dans un groupe? Est-ce que tu as appris dans une école? Est-ce que c'est en regardant la télé, Chris Brown par exemple, que tu as appris? T'es pas tout seul? Non, les clashs de bolos à l'époque. Ah, le bolos, c'est toi qui chasse le bolos. Non, tu vois. Quand on regarde en France et tout, on s'est dit, ouais, il est parti en France, il est devenu français. Non, ça, c'est un Gabonais. On a tous été dans une période des clashs. Tu vas clasher le haut du quartier contre le bas du quartier. Ça, c'est une bagarre et tout. Ouais, ouais. Non, oui. Non, on a eu des clashs comme ça, tu vas clasher. On dit, ouais, mais laisse-moi refaire là, le mec, il est fort. Tranquille. Exactement. Je vous jure qu'à l'époque, c'était ça. Hein. C'était pas la bagarre, mais tu es fou, tu es plus bon que moi, tu es malade. Faites la ronde. Nous, c'est cool. Et on se met au milieu et puis ça fait des trucs. Alors, donc, les projets à venir. Donc, on a. Merci, Papa Go. Merci Papa God, lui qui va sortir le 2. D'accord. Je t'aime. Oh l'amour de ça. C'est. Oui, ça. Est-ce que c'est une déclaration d'amour à madame je ou. Je laisse la surprise. D'accord, ok. Donne-moi de l'amour encore. Donne-moi de l'amour, ça va sortir sur le B. D'accord. Alors, elle voulait. Elle voulait pour moi une relation sérieuse, mais c'était un peu compliqué. D'accord. Trop tard. Quand elle a marié, c'était un peu compliqué. Voilà. Dis-moi. Dis-moi, ah, tu es en train de citer le titre de l'EP là. Ah, je te dis que j'ai l'album. Ça va arriver. Ça okay. va arriver. Donc, l'album de combien de titres? Un album de 8 titres. Bah, bien évidemment, on a un tour. On a toujours. Ouais. On a la vie. Mais par contre, en gros, tu me dévoiles tous les bails. Mais c'est ce qu'on va faire en fait. On va séparer. On va faire l'EP et l'album en fait. Donc. D'accord. Donc, ce sera d'abord l'EP et après, ce sera l'album. Ok. D'accord, de toutes les façons, Dynasty nous donnera beaucoup plus d'informations à ce niveau-là parce qu'on va appeler le Big Boss Manager, ça fait comme Aminem. En tout cas, donc Merlin qui dit, quel conseil peux-tu donner à un jeune artiste qui fait ses débuts dans la musique? C'est de travailler, hein, c'est tout. Après, c'est d'éviter d'écouter des rageux. D'accord. Voilà, le but c'est d'écouter des personnes en fait qui vont accepter les critiques de là. C'est la base d'abord. Et c'est de donner beaucoup de travail en fait. Alors, la dernière question pour finir, Nélio, est-ce que tu penses que tu as toujours ta place musicale au Gabon? Je suis venu voir ça. C'est... Non, en fait, tu reviens genre pour challenger. Genre savoir si genre, c'est encore bon au quartier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que. J'ai bien envie d'un bain de foule d'abord pour voir quand même. D'accord, ce qui est sûr, c'est que pour le couvre-feu, il a déjà été repoussé à 21h. N'empêche, donc, comme l'a dit Nélio au début de notre interview, on va dire sur le plateau, Nélio a été vacciné, donc lui, il n'a plus de problème. Ah, hein. Pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème parce qu'il s'est les vacciné, il circule. Après les heures, après 21h, les gars, il pouvait.
Voilà, alors un dernier mot comme ça, Nelio, à nos habitués de la matinale et surtout à tous nos abonnés des médias 241 et ensuite à toute la population gabonaise qui est ravie de te revoir encore. Je vais commencer par médias 241, par la matinale. Restez connectés, il y a mes clips qui vont toujours passer. Petite promo, d'accord, ok. Et ensuite, merci. Là, franchement, comme je disais, j'ai vraiment besoin d'un belly full. D'accord. Les gens, parce que en gros, il y a des fans qui n'ont jamais arrêté d'écouter les vidéos. Mm-hmm. Et moi, je fais ça, donc on aura une grosse organisation, comment on se retrouver, partager un verre, un truc comme ça. Mm-hmm. Je suis content d'être chez moi. C'est bien, d'accord, ça, ouais. Ça s'ouvre, c'est mon autre pays, on est à la maison. Et saluer mes filles du cœur, les gens de l'entraîneur, je vous aime. D'accord. Alors, quel est. Papa, t'as regardé aussi, t'inquiète pas. Yoann. Alors, quel est le plat qui t'a le plus manqué? Que tu as demandé à la vieille de ton papa. Quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'elle m'a fait? La queue. La queue de bœuf. Avec la banane. Ah. Pilée. Et comment tu sais? Ah, mon ami. Ici, c'est la matinale. On a toutes les dogs. On a vraiment toutes les dogs. Banane pilée. Alors, une petite improvisée nous fera plaisir. Je ne sais pas trop de quoi tu parles, Merlin. Donc, une petite improvisation, peut-être. Donc, on va garder ça juste pour la fin pour dire au revoir. Lionel Toucour qui dit: nous avons apprécié le premier numéro de la semaine. T'avoir toute la matinée, c'est un exploit. Donc, C'est gentil. Bah, c'est la matinale. On essaye de faire le taf et d'avoir les meilleurs. Dernière, juste pour finir, parce que ça n'en finit pas. Il n'y a que des questions. On se le ment 4 ans en France. Nelio s'est fait un nom par rapport à d'autres. C'est quoi ton secret? 6 ans. 6 ans en France. Donc voilà. Nelio s'est fait un nom par rapport à d'autres. C'est resté. Je ne vais pas vous mentir, c'est qu'il y a eu un moment de dépression. Oui, et exactement. Que, parfois, tu t'es dit: est-ce qu'on m'écoute encore au pays? Est-ce qu'ils m'ont oublié? Mais par la grâce de Dieu, comme Dieu fait bien ces choses, voilà, nous, on est resté toujours la tête haute et le travail. Hein. Après, la tête haute et le travail, c'est tout. Alors, Yuri Kogé, il dit que la Sista, elle est chaude aujourd'hui. Vraiment, c'était bon, frère. On a commencé avec une heure de retard. Il fallait qu'on se rattrape, sinon ça devait être mou. Donc, Nelio, merci d'avoir accepté l'invitation de la matinale et bien évidemment de Média 241. Même pas de partir d'ici. En espérant que tu es abonné sur la page Média 241. Hey, je suis un gros fan. Et que tu partages tous nos programmes. Ça dépend, mais j'aime bien. Ça dépend quand même. Il y a des programmes préférés. J'ai des programmes préférés quand même. Lesquels? Je regarde parce qu'il y a l'actualité du pays. Merci. Ouais. Voilà. Chap-chap, je suis un super fan de Chap-chap. Bah, vu que tu l'as déjà fait. Il y a aussi le canapé. Ah, pour promotion canapé. Avec les artistes qui viennent, qui chantent sur le match. What's Me? Moi, je suis un fan de Média 241. Oui, mais en fait, tu ne sais pas encore. Il n'a pas le WhatsApp, lui. Ouais. Non, je n'ai pas encore. D'accord, ça marche, on va enregistrer ça avant que tu ne repartes. Tu vas repartir quand? Dans combien de temps? Là, pour le moment, je suis encore là. Ça marche. Donc, tu nous fais quand même un petit a cappella pour nous dire au revoir. J'ai bien envie de faire mon édité, d'aller regarder sur YouTube. Vas-y. C'est maintenant que j'apprends que t'étais déjà engagé. Après 10 ans de love et plus vécu par ta beauté. Un mec qui m'a appelé, m'a envoyé toutes vos photos. Franchement, oui, ce que j'ai vu, frangin, même un chien se respecte. Tu m'as fait ma bébé, tu m'as mis KO. Ah, bébé, oh, c'est sur YouTube. En tout cas, les paroles là me plaisent. Déjà, on se retrouve demain, s'il plaît, à Dieu, lorsqu'il sera 8h30. Et n'oubliez pas, il y a l'affiche de demain. Il y a un monsieur qu'on reçoit demain. Vous allez voir l'affiche seulement et soyez connectés demain à partir de 8h30. Voilà. On se retrouve demain et surtout, que Dieu vous garde.